Voyons maintenant comment on va pouvoir déterminer le coefficient de diffusion en phase liquide. Alors, tout d'abord, quelques ordres de grandeur. Ici, des valeurs qu'on peut trouver dans la littérature. Alors, contrairement au coefficient de diffusion en phase gazeuse, où le coefficient de diffusion de A dans B est égal au coefficient de diffusion de B dans A, ce n'est pas du tout le cas lorsqu'on est en phase liquide. Et donc, il est très important de savoir qui diffuse dans qui. Alors ici, on va noter, on l'appellera solvant, le liquide dans lequel on va avoir le soluté qui va transférer. Donc ce sera toujours la diffusion du soluté A dans le solvant B que l'on va examiner quand on est en phase liquide. Alors sinon, on va avoir à chaque fois une dépendance en température, même si en phase liquide, elle est beaucoup plus faible qu'en phase gazeuse. Et puis ici, donc, vous avez différentes valeurs de la diffusivité pour différents systèmes. Donc, par exemple, dans ce tableau, si je veux avoir le coefficient de diffusion de l'éthanol dans l'eau à une certaine température, toujours à peu près la température ambiante, eh bien, je vais avoir ici une valeur. Alors attention, ici, les valeurs qui sont données dans ce tableau, elles ont été multipliées par 10 puissance 5. Donc en réalité, la valeur du coefficient de diffusion de l'éthanol dans l'eau à 288 Kelvin, c'est 10 puissance moins 5 cm² par seconde. Et donc si vous regardez l'ordre de grandeur du coefficient de diffusion en phase liquide, il est toujours à peu près du même ordre de grandeur, et donc on va avoir des choses de l'ordre de 10 puissance moins 9 si on passe en mètres carrés par seconde. Donc toujours la même chose, c'est un ordre de grandeur qu'il est bon d'avoir en tête, puisque lorsque vous allez essayer de déterminer par une corrélation la diffusivité en phase liquide, eh bien ce sera bien de pouvoir vérifier que vous êtes toujours dans cet ordre de grandeur-là, qui est l'ordre de grandeur classique, en tout cas pour des systèmes courant et dans des conditions ambiantes classiques. Alors ici, je vous présente une corrélation qui permet l'estimation du coefficient de diffusion en phase liquide. Alors, il faut savoir que les différentes corrélations qu'on peut trouver dans la littérature pour estimer les coefficients de diffusion en phase liquide donnent des valeurs beaucoup moins précises que ce qu'on peut obtenir, par exemple, en phase gazeuse. Donc, on a vraiment une estimation. On va obtenir un ordre de grandeur, mais c'est très difficile d'obtenir une valeur précise à l'aide de ces corrélations. Alors, on va donc faire bien attention. Je vous ai dit, le coefficient de diffusion de A dans B n'est pas le même que de B dans A. Donc, il faut bien faire attention que dans cette expression, le volume molaire à l'ébullition VB, c'est celui du soluté B. Alors que les autres grandeurs, donc qui sont le coefficient xi, je vais y revenir dans quelques instants, la masse molaire et la viscosité, ce sont celles du solvant B. Il faudra aussi faire attention aux unités, puisque c'est une corrélation. Vous voyez qu'il y a ici une valeur numérique qui est indiquée. Donc il faudra bien faire attention, toujours bien se reporter aux unités qui sont précisées au niveau de la corrélation. Alors le coefficient xi, il va avoir des valeurs différentes selon le solvant considéré. Alors, dans la plupart des liquides, ce coefficient, il vaut 1. Mais dans les liquides particulièrement polaires, on va avoir un coefficient xi qui va pouvoir être plus grand que 1. Donc, vous voyez que vous avez différentes valeurs qui sont indiquées ici. Pour le propanol, c'est 1,2. Pour le méthanol, 1,9. Et pour l'eau, alors, selon ce qu'on regarde dans la littérature, on va trouver soit une valeur de 2,6, soit une valeur de 2,26. Ne me demandez pas pourquoi, probablement des erreurs qui se sont propagées dans des publications anciennes. Toujours est-il qu'on peut trouver ces deux valeurs, mais encore une fois, comme cette corrélation ne permet d'obtenir qu'un ordre de grandeur du coefficient de diffusion, au final, on voit qu'en utilisant 2,6 ou 2,26, on n'obtient pas une différence énorme et en tout cas, on a toujours bien l'ordre de grandeur du coefficient de diffusion, donc dans l'eau ici. Alors, comme pour le cas du coefficient de diffusion en phase gazeuse, pour avoir le volume molaire à l'ébullition, eh bien, on va pouvoir soit essayer de trouver ici quelques exemples dans mon petit tableau ou dans des handbooks ou des bases de données la valeur de ce volume molaire pour l'espèce considérée, donc pour le soluté A que l'on souhaite étudier, ou bien on va utiliser les méthodes de contribution
qui sont rappelées ici. Je vous renvoie à la vidéo sur le cadre du coefficient de diffusion en phase gazeuse où j'expliquais comment utiliser ce petit tableau. Alors, donc, ce coefficient de diffusion en phase liquide, il va être important à déterminer, mais je l'ai dit à plusieurs reprises, avec les corrélations qu'on peut trouver dans la littérature, on va pouvoir le déterminer que de manière relativement peu précise. Et si on a possibilité de pouvoir le déterminer expérimentalement, ça pourra être intéressant.